vers votre champ de sculpture. Hein? Oui. C'est par ici. Et là, je suis en train de prendre de très loin. Je ne sais pas certain qu'on les voit aux sculptures. Oui, mais vous allez venir de plus près. Voilà, on va se rapprocher. Oui, oui. On va faire. Figurez-vous que depuis 100 ans, j'avais disparu totalement de tous les sites forestiers. C'est un spécialiste du nickel. Il étudie le nickel. On a pu faire une échelle de graduation de la petite. Avec le petit de soufre, je vais mettre la note de 6,5 sur 10 à la qualité de l'air sur l'échelle de Nuremberg. Voilà. Et je veux dire que la note, vous voyez ça, dans vos vies, voilà. Je vais vous expliquer dans les bons. Tu sais faire marcher? Mais il sait tout faire, votre garçon. Ah oui, ça tourne, je vois que ça tourne, la petite roue ici. Ah oui, ça pivote comme ça. Vous y allez pas marcher, non, hein? Je vais vous prendre avec votre fils. Il dit non. Il dit non. Ah ben oui, il veut pas se faire voir alors. Mais non, c'est quoi? Et c'est pas vrai. Si, si. Mais qu'est-ce que vous voulez?
Mais ça tourne toujours. Ah, j'ai oublié d'appuyer.
surpris là, monsieur Saint-Forge. Hein. Voilà. Je trouve qu'il va bien vite, ce... Le zoom. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, le cinéma, hein? Pour avoir l'habitude, s'il vous plaît. Ben oui. On verra ce que ça va donner chez moi. Sur le magnétoscope. Autre chose aussi qu'il nous peut faire. Allez, je vais voir. Il y a un gros champignon.
Tu le vois plus. Et voilà, je crois que... Elle est finie. Ça sonne pas quand c'est fini. Si, c'est arrivé au bout. Ah non, ça tourne encore. Ça tourne encore? Oui, oui, ça tourne. Là. C'est que j'ai pas arrêté. Là. Ah ben non, j'avais pas... Voilà. Oui. Alors, monsieur Pidou, on vient de... Monsieur Saint-Nicolas, plus exactement, on vient de faire... de visiter votre... votre champ de sculpture. Et on a fait le tour de toutes vos, de toute, de la plupart de vos sculptures. On a vu les, votre démarche intellectuelle à travers les inscriptions que vous avez apposées au verso de certaines de ces sculptures. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de plus sur votre travail de sculpteur ? C'est pas une démarche intellectuelle, c'est plutôt une démarche spirituelle. Ah oui, hein? Spirituelle. Il me semble. Voilà, c'est ça, c'est un lapsus. Oui. Voilà. Vous voyez, les oiseaux sont contents, ça leur fait de bons perchoirs, entre autres. Non, mais ils sont quand même contents, on les entend chanter. Ah hein. Oui, oui, c'est la saison maintenant. Est-ce que vous avez l'intention de, d'en sculpter d'autres, d'en inclure d'autres dans J'ai votre toujours champ l'intention, de... oui, j'ai toujours sculpture. L'intention, mais seulement les... ceux qui, sont... qui ont le matériel pour m'amener ces pierres ne sont pas prêts à me les amener. J'ai beaucoup de difficultés de ce côté-là. Vous n'avez pas résolu ce problème? Non, pas encore. Toujours. Oui. Alors peut-être dans l'avenir. Et vous avez commencé par, par celle que nous avions, que nous avons vue à l'entrée de votre. Oui, au fond, oui, elles sont noires maintenant. Oui, oui, oui. Celles-ci sont très nettes. Vous les revêtez dans, d'un vernis. Non, 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 c'est qu'elles sont polies au disque. Alors l'eau s'infiltre moins, c'est ce qui... Oui, plus la surface est lisse, moins l'eau a de surface pour rester accrochée. Et puis, donc la gelée a moins de prise aussi, puis la corrosion est moindre. Est-ce que vous pensez que les marques que, peut laisser le temps sur les sculptures y apporteront quelque chose? Oh, en plus. Oh non, non, je pense que... Vous préférez les conserver dans l'état neuf, où elles sont actuellement. En œuvre, oui, parce que... Parce que les filles, elles sont plus jolies, elles sont moins délitérées, je trouve. Il faut voir la cathédrale de Limoges, ce qui est exposé comme le portail du côté de la place. On dit, que comment ça s'appelle, ce nettoyage des pierres, ce ravalement, que le ravalement des granites...
provoque une usure prématurée. Oui, parce que l'eau étant sous pression, elle rentre profondément dans les parts de la pierre. Et puis que naturellement...